Hello! Bonsoir les pinous, excusez-moi pour l'attente. Ah, ça y est, c'est Fille qui se ramène. Attention! Attention, boulet de canon! Bah ouais, tu viens chercher ta friandise, je sais bien. Excusez-moi pour le retard. Je suis rentrée tard de mon rendez-vous. Et après, en fait, Gizmo, je le sentais pas en ultra bonne... Oh là, en ultra forme. Donc du coup, je suis restée un petit peu avec lui. Hop, je donne les friandises à ses filles, j'arrive. Tiens, mon chat. Je vais y arriver. Excusez-moi. Oh, c'est dur. Ouf. Oh, j'ai pas regardé mes mails. Tant pis. Je regarderai demain. Hop. Ouf. Bon, excusez-moi. Oh, c'est dur. Hop là. Bon, alors du coup, je suis un peu en retard. Voilà, j'ai mon rendez-vous qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Je suis rentrée tard. Et voilà, je suis rentrée tard. et après donc Gizmo n'allait pas super bien, donc du coup bah je suis restée un peu près de lui. Ça va, tu déménages tout, toi? Et donc du coup je suis un peu en retard. Voilà, je suis désolée. Bonsoir les pinous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour la suite de Cult of the Lamb. J'avais envie donc de continuer les jeux un petit peu longs de la chaîne. Et en fait, bah, je voulais finir Balan Wonderworld ce soir. Mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'ai pas mal avancé quand même dans la recherche au niveau des statues. Mais pas assez, en fait. J'ai réussi à débloquer les trois mondes d'après, en fait. Mais il reste trois mondes à débloquer. Il me reste 13 statuettes à trouver. En sachant que, bon, bah forcément, avec le jeu, on va évidemment faire en sorte de récupérer des statuettes pendant notre partie. Mais je veux être certaine d'avoir suffisamment de statuettes pour finir le jeu la prochaine fois qu'on y joue. Et donc du coup, bah me faut un peu plus de temps. J'ai essayé d'y jouer un petit peu hier, mais c'était un peu compliqué. Et ce soir, bah j'ai clairement pas eu le temps, en fait, concrètement. Donc voilà. Donc je vais essayer d'y jouer un petit peu ce week-end. Je suis pas certaine de mon coup, mais on va voir. On va voir, on va voir. Donc je voulais jouer soit à Tales of Symphonia, soit à Cult of the Lamb, en sachant que j'aimerais bien jouer à Tales of Symphonia, mais seulement vendredi, parce que du coup c'est un jeu narratif, c'est un jeu à histoire qui est assez long, et donc du coup je voulais plutôt faire ça un vendredi soir, parce qu'après donc le samedi matin je peux me reposer. Et donc je me suis dit, bah tant pis, on va retourner sur Cult of the Lamb, c'est pas grave. C'est pas grave en soi, on y a joué dimanche, mais bon, étant donné que dimanche on va faire du Animal Crossing, et bah écoutez, Cult of the Lamb ce soir quoi, c'est pas grave. De toute façon, on n'a jamais assez de Cult of the Lamb, enfin moi j'aime beaucoup ce jeu, et il faut l'avancer, on est même pas à la moitié du jeu, donc concrètement il faut que j'avance. Voilà. Je suis pas habituée. Hein. Ça va venir. Donc, petite partie de Cult of the Lamb, j'essaye d'avancer quand même un maximum ce soir. Et puis voilà.
Voilà. Et donc vendredi, on fera du Tales of Symphonia. Pareil, j'essaierai d'avancer le plus possible l'histoire. Et dimanche, on fait du Animal Crossing. J'espère qu'on pourra participer au feu d'artifice parce qu'il y aura des feux d'artifice dimanche. J'ai trop hâte. Vraiment. Moi, Animal Crossing, c'est quand même un jeu hyper, hyper doudou pour moi. Je pense que j'y ai pas assez joué ces derniers temps. J'y jouais vraiment juste en hors live. Et refaire des lives dessus, ça me plaît, en fait, tout simplement. Ça me plaît. Partager ces moments avec vous plutôt que de les faire toutes seules et ensuite vous les poster. Finalement, c'est pas ce que je veux. Peut-être qu'il y aura des jours où je préférerais jouer toute seule, mais en fait, finalement, à partir du moment où je vous précise si je veux, oui ou non, avoir des visites ou pas, et que après vous respectiez le truc, ma foi, c'est du pareil au même, et au moins, je peux papoter avec vous, et j'ai pas besoin de courir à droite à gauche pour faire des vidéos, quoi. On va pas tarder à lancer parce que Cult of the Lamb, c'est un peu comme tous les jeux en ce moment, les jeux un peu longs. Je sais quand je les commence, je sais pas quand je termine. Sauf que demain... demain, faut que je me lève. Ça sera vendredi, le pire. Mais demain, faudra que je me lève. Assez tôt. Et surtout, je vais avoir une grosse journée demain. Donc, si je peux éviter de couper le live à 4h du matin comme la dernière fois, ça serait pas plus mal. Ma petite dose d'hydratation parce que mine de rien il faut. Et on va pouvoir être parti. Bon, ça va, c'est un peu moins loin au niveau des touches et tout ça. Normalement, ça devrait aller. Je vais juste vérifier le son du jeu. Ça doit aller. Normalement, ça va. Hop, je vais garder ça par là. Tant pis, le chat sera un peu trop à gauche, mais j'essaierai de jeter des œils un peu plus souvent. Mais sinon, je vois pas. Sinon, je vois pas la musique et tout, et c'est un petit peu chiant. Alors, on était déjà à 7 heures de jeu. Jour 61, 12 adeptes, 15 maisons, 13 morts. Et un seul hérétique vaincu. D'où le fait que je vous dis que j'avance pas. Voilà, j'avance pas du tout. Je trouve que j'avance pas assez vite. Sois sage, Mounou, s'il te plaît. Tu es sage? Mao, tu es sage? Mao. Alors. On avait quand même pas mal avancé dans les arbres de compétences, je crois. Cuisiner plat de légumes esquis. Mmh. 1 sur 3. Comment ça, 1 sur 3? Plat d'œuf. De quoi? Mais d'où c'est que ça vient, ça? Plat de viande supérieure. Je comprends rien. D'où c'est que j'ai un plat d'œuf? Je vais récupérer d'œuf. Des navets et des choux, j'en ai jamais eu. D'où il me dit que j'en ai cuisiné un alors que j'ai ni navets ni choux. Trop bizarre. Bon, je pense qu'on va aller pêcher dans un premier temps.
Vous avez l'air d'avoir faim, les loulous. Non, c'est pas à toi que je parle, Cookie. T'as ta gamelle qui est pleine. T'as pas faim? Tu viens de manger. Mais oui. C'est pas à toi que je parle. Petite souche. Donc ça, on rappelle, c'est une de mes épouses, entre guillemets, puisque bah, elle a, je trouve qu'elle a, le chat a un nom d'épouse, enfin de femelle. Et en fait, je l'ai ramenée à la vie parce que donc, elle est 6, et je crois que j'ai 3 époux en tout. J'ai 3 époux, je dois en avoir 3 et j'ai 2 disciples parce que j'ai réussi enfin à avoir des disciples. Ah, il y a quelqu'un qui est malade. Ah, mon épouse chie de... mon épouse chie des crottes dorées. C'est bien. Attendez, je vais essayer de regarder, je vais aller regarder la liste. Oh, ils me font des offrandes, c'est bien. Doctrine. Voir les adeptes. Donc, je suis mariée à Sandy et à Brenati. Il me semblait que j'étais mariée aussi à. Donc, Jatiar et Sandy sont mes disciples. Normalement, Brenati deviendra mon disciple dès qu'elle aura atteint le niveau 10. Ah, c'est lui qui est malade encore! Et je suis mariée également à Grénâtre qui m'avait demandé gentiment si je voulais l'épouser. Et pareil, tous mes époux en fait seront mes disciples. Voilà, on avait décidé ça la dernière fois. Par contre, il y en a un qui est malade. Est-ce qu'il est... Ouais, il est en train de dormir. Soigne-toi bien, loulou. Nous, on va aller pêcher. Merde, qu'est-ce que je fais ? On va aller pêcher. On va aller pêcher. Et on avait pas mal augmenté comment, les arbres de compétences. Donc, ce qui fait que, mine de rien, on avance. Pas dans les donjons, mais on avance. Merde, il y a une pub. Alors, attendez. Hop, report. Voilà. Par contre, j'ai plus de plaid. Enfin, j'ai ma petite couverture là, mais elle me sert pas. Enfin, elle ne me réchauffe pas des masses. Et là, j'ai très froid aux pieds. Je vous rappelle, j'ai
ma pathologie, en fait, faut pas que j'attrape trop froid à certains endroits, enfin, à mes articulations, parce qu'après, sinon, j'ai trop mal. Donc, on va aller pêcher. Et il faut qu'on construise aussi une statue pour terminer une quête, je crois, de mémoire. Ou alors, on l'a déjà faite. Non, ça m'étonnerait. Il n'y a pas beaucoup de poissons là. Malade n'est plus malade. Ici, s'il te plaît, Lou. Oui. Sois sage. Tu veux bien être sage. Sois sage. Je pense qu'on devrait faire un sermon avec le truc de la pêche pour que je puisse récupérer plusieurs poissons de qualité pour pouvoir vous faire des repas un peu plus conséquents. Champignons. Il nous faut 16 lingots d'or. On a 18 lingots d'or. Je pense que les lingots d'or, je les avais fait pour autre chose. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il faut finir cette quête-là aussi? Où c'est qu'on va mettre cette affreuse chose, là? Près des bords. Encore une cube? Voilà, donc il faut qu'on retombe
voir Sozo, mais d'abord, petit serment. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous commençons ce live avec un petit serment. Vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est avec plaisir que je vous accueille dans la maison de notre Seigneur. Alors... pas mal avancé, hein. Œil des reliques perdues. Débloque de nouvelles reliques. Après... arme impitoyable. Maléfice des fous. Que l'idée, c'est que si je peux... débloquer la totalité de l'arbre, ça serait pas mal parce que je suis tellement mauvaise que bah, dans les donjons je meurs quoi. D'achever instantanément la construction de toutes les structures de la base ou débloque le rituel permettant d'augmenter de 20% la vitesse de génération de la dévotion à l'autel pendant 3 jours. Oh. En vrai, les constructions, ils vont les faire tranquillement, ça va. Allez, rituel de l'éveil. Merci de prier encore et toujours. Remercions. Ok. Ah. Alors, tu es... Ah, j'ai des os quand même, mine de rien. Mais moi, j'aimerais bien le rituel de l'océan pour doubler les poissons. Que la dévotion pour le moment ça va. On peut faire les deux ceci dit. Hein. Rituel de l'éveil moins 10 et puis ensuite les poissons plus 10. Vos prières seront plus efficaces à compter d'aujourd'hui. Car telle est la volonté de notre Seigneur. Ma pêche sera miraculeuse pour pouvoir nourrir tous mes agneaux afin que vous puissiez vivre en paix. Je fais des réglages son, je suis désolée. L'inspiration divine, j'avais pas vu. Alors, bon, on a dit que ça nous intéressait, les mines, les postes de bûcherons et tout ça nous intéresse. Faudra quand même qu'on débloque le reste, notamment l'épouvantail, le compost, etc. Mais d'abord on va s'occuper de toutes ces petites choses-là.
Les décorations en dernier, en fait. Bon, allez, je vous fais des toilettes un peu plus correctes. Voilà. Mais mine de rien, ouais, on avance bien, on avance bien. Alors, je vais récupérer la foie et ensuite je vais aller vous chercher du poisson. Puissiez manger à votre faim. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Citrouille. Bébé. Citrouille. Bébé. Bébé. Waouh, vous avez fait ça pour moi? Vous êtes vraiment incroyable. D'accord. Et donc, on monte. Ça monte. Bon, allez chercher des poissons parce que nous avons des pignons qui sont en train d'avoir faim. Je vais leur faire à manger. Mais il faut ravitailler les stocks. On va aller voir Sozo d'abord. Pour lui dire qu'on a bien construit sa statue de merde là. Tu l'as fait, je savais que Sozo pouvait te faire confiance. Tu n'es pas comme ses adeptes qui lui mentent et qui l'espionnent en permanence. Tiens, désormais, Sozo et toi être inséparables. Oh, bah je peux avoir une nouvelle pelisse. Enfin, il y a que celle-là qui m'intéressait. Sozo te fait confiance et se soumet à ta volonté. Tu dois projeter Sozo des infidèles et lui apporter plus de champignons. Sozo est tellement heureuse. Sozo n'a jamais vu autant de champignons auparavant. Sozo n'aurait jamais pu en récolter autant sans ton aide. Sozo est impatient de voir ce qu'il va se passer. Donc maintenant, il peut récolter en fait de la foi pour moi en fait. Bon, direction l'étang pour aller pêcher un petit peu. Oh, il y a plein de poissons.
si je pouvais pêcher plein de poissons rares pour que vous puissiez manger à votre faim, ça serait bien, vraiment. Téléphone qui clignote, je sais pas pourquoi. Que de la petite poiscaille, fait chier. Allez, on pêche pour le bien des pinous. Alors que Sarah déteste la pêche, déteste les jeux, les mini-jeux de pêche dans les jeux, Sarah pêche pour le bien des pinous. Pour qu'ils puissent manger à leur faim. Oh, ça vibre. Mais je voulais pas le petit poisson. C'est infini. J'en pêche un, il y en a un autre qui arrive.
Allez, un petit dernier et puis après je m'arrête, hein, parce que mine de rien, faut que je m'occupe de vous aussi. Non, il y en a un gros. Je vous ai laissé toute une journée et une nuit. Ça va pas du tout. J'espère que vous avez mangé en mon absence. Ah, vous avez été malade surtout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les adeptes ont vomi ou déféqué. Merci le chat. Mon Dieu. Qui faut que je déplace sa baraque à l'autre. Il va aller dormir avec les morts. On va lui faire une baraque avec les morts. Guide, on raconte que Grey Jewel est en réalité un agent double appartenant à un autre culte. Vous devez confronter cet odieux personnage. Parler à Grey Jewel. Mais c'est lequel Grey Jewel? Bonjour, vénérable guide, votre aura rayonne et nous protège tous. Ah, quelle journée esquise!
Bonus de disciple, vous avez reçu un demi-cœur spirituel pour votre prochaine exploration. Ok. Bon, je vais vous faire à manger. Parler à Gusion. Cette créature cache quelque chose, vous devez me croire, guide. Alors, je suis pas allée au confessionnal aujourd'hui. Et il faut monter nos adeptes qui sont mes époux, mes épouses, pour pouvoir les avoir en tant que disciples. Donc, Brittany et Grenate. Ça monte, ça monte. Doucement mais sûrement. Allure. Bon, ma foi.
est pas mal au niveau foi pour le moment. Donc on va pouvoir aller essayer de s'occuper, enfin d'aller à Anura pour continuer un petit peu notre quête pour accéder à l'hérétique. J'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. J'aurais dû invoquer des démons avant de partir. C'est pas un souci. Au pire, quoi? On se fait tuer. Alors, un tentacule apparaît et attaque les ennemis lorsque vous subissez des dégâts. Double les soins reçus. 10% de chance de gagner un cœur bleu en tuant un ennemi. Octroie un cœur supplémentaire. C'est pas mal. Je ne subirai pas le même sort que les chi. Retrouve-moi dans mon temple. Il est temps pour toi de rejoindre le reste de ton espèce dans la mort. Lâche impitoyable, inflige parfois un coup critique aux ennemis que vous attaquez. J'ai pas lu ce que c'était. Ah, il faut qu'on récupère des os aussi. Faut que j'envoie des gens à la mort pour aller chercher des os. Parce qu'il y a quand même des risques qu'ils meurent. Linky, bonjour mon enfant, je te connais, tu es un ami de Rathos. Je reconnais cette couronne sur ta tête, Rathos m'a tout dit de sur toi. Je suis en chemin pour l'écraser au jeu des osselets. J'ai des dettes à payer, des sous à gagner. Ah donc ça, c'est un nouveau... un nouveau concurrent pour les osselets, sûrement. Il y a trop de chemin là. Tellement de possibilités. Oh, il m'emmerde lui hein. Celui que tu sers, le monstre que nous avons enchaîné, n'obtiendra satisfaction que lorsque tu nous auras éliminés tous les quatre. Tu as peut-être réussi à terrasser mon frère Leshi, mais tu ne m'atteindras pas et tu ne t'approcheras certainement pas des autres prélats de la vieille croyance. Nous avons bien plus d'expérience et de pouvoir que notre cher petit frère Leshi.
chat. Ah, je la fais, coucou. Bonsoir, tu es passé chez le coiffeur, ça te change, merci. Enfin, je sais pas, merci. Oui, oui, je suis allée chez le coiffeur aujourd'hui. J'avais envie de changer de tête. Bah, c'était prévu, mais ça me turlupinait. Ça te va bien, merci. Ça me surlupinait depuis quelques jours. J'avais envie de changer. Et puis, bah, finalement, bah, vous voyez, j'ai pas changé d'avis. Oh là. Il y a des trucs qui se cachent dans l'herbe, là. Il y a trop d'herbe sur cette map. Ça va pas du tout. Je sais même pas ce qu'il y avait dans le coffre. Ah, je suis soignée. Très bien. Voilà, j'aurais vraiment dû demander à des démons de m'accompagner. Dans l'herbe végétale. Donc là, on a deux fois plus de pièces. Là, je suppose que c'est qu'il y a du soin. Je me souviens plus c'est quoi ça. Ça, c'est des reliques, mais j'en ai déjà une. Là, c'est... éventuellement des ressources. Et ensuite, on va au magasin. Allez. On n'a jamais trop de ressources. Hein. Ah, ça on prend. Évidemment qu'on prend, évidemment. Bon allez. Je suis pas sur mon coup là. Destruction. Des os. C'est dur. Franchement, c'est dur. C'est quoi ça? Invoque des tentacules frappant dans quatre directions. Ah mais je sais pas ce qu'il fait comme pouvoir l'autre. Je continue d'espérer ma résurrection. Continue, continue. Invoque des tentacules, des piliers de glace qui gèlent les ennemis. Continue de prier et peut-être que pour le moment j'économise mes os pour le moment parce que je vais avoir des disciples à former.
Par contre, ouais, je suis vraiment trop con. J'avais dit qu'il fallait que je prenne un démon avec moi, au moins. Et j'ai oublié. Merde. Des graines de citrouille, formidable. Alors, qu'est-ce qu'il me propose, lui? Feu corrompu. Gant nécromantique. Ah non. Blizzard divin. Non. Merci, mais non merci! C'est de cœur bleu. Ah, c'est parce que c'est grâce aux cartes de tarot. Adepte aux 3 une moitié de ce cœur spirituel. J'ai pas compris. Ça se trouve l'autre était plus intéressant. J'ai peur. J'ai peur. En pub, j'entends rien, mais bravo, allez. Merci. J'ai peur. Au secours. Enfin, j'ai longtemps attendu ce moment. N'aie crainte, jeune agneau. Tout sera très bientôt terminé. On y croit, je l'avoue. J'ai peur! J'en ai marre des grenouilles! Alors, il saute. Ok. Bien, il saute. Il balance des mouches. Il saute. Il balance des grosses mouches! Qui baisse en... Oh, oula. Passé.
utilise tes pouvoirs. Il y avait même pas besoin parce qu'en fait, mon pouvoir, en fait, il y avait une carte de tarot qui, à chaque fois que je prenais un coup, ça mettait des tentacules. Et en fait, il suffisait de prendre un coup à côté de lui et qu'il soit sur une tentacule pendant longtemps. Et en fait, il perdait de la vie. Alors que, bah, je lui faisais rien, en fait. Merci. Un trophée pour avoir tué Kate. Ok. Tout va bien. Bon, finalement, il était pas si dur, mais en même temps... Du fait qu'on a monté les arbres de compétences à mort, bah en fait, j'ai des arbres complètement cheatés, quoi. Donc, résultat des courses, j'ai des armes beaucoup trop fortes pour les boss de ce niveau-là, en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je galérerai un petit peu plus après, par contre, je pense. J'ai assisté à ton combat face à Ikette. Quel délicieux spectacle. Son arrogance a toujours été sa plus grande faiblesse. Cette croisade héroïque contre la vieille croyance réchauffe mon cœur froid et inerte. Ok. Le berger devra tracer un chemin dans la forêt, former des rivières dans le désert et répandre la lumière dans l'obscurité. Mon Séphi ! Coucou, monsieur ! Oh, quel accueil ! Merci ! Je suis revenue, mon cœur ! Oh, vous avez faim ! Tellement pas d'ingrédients. Le King a gagné un niveau. Bravo. On a décidément rien à bouffer par contre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Honorable guide, nous souhaiterions effectuer un voyage spirituel. Nous avons entendu parler de champignons hallucinogènes qui auraient tenté d'atteindre la transcendance de notre âme. Accomplissez le rituel de lavage de cerveau. Acceptez. Y a pas besoin, mais j'accepte. Après, il peut y avoir un cuisinier. Trop bien. Ça, c'est une bonne chose. Oh, dis donc. Non, mais ça va pas. Mon épouse au confessionnal.
faut que tu montes niveau 10. On y est presque. Elle te trompe. Tu parles, j'ai trois épouses en tout. C'est pas moi, hein. C'est pas elle qui me trompe, hein. Serre-moi avant le dodo. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, merci d'être toujours plus nombreux. Voilà, j'ai débloqué toutes les armes. Nous allons faire en sorte de récupérer une nouvelle doctrine. Alors, débloque le rituel permettant de distribuer des pièces à tous vos adeptes pour augmenter leur fidélité. Vous gagnez également 10 de foi. Débloque le rituel permettant d'obliger tous les adeptes à vous donner des pièces. Non. On augmente la fidélité de nos adeptes ici. Ah! 25 pièces, ça va. Ça va, ça va. C'est pour leur estorquer du pognon, c'est mieux l'autre. Bah oui, mais non, en fait, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des adeptes qui montent de niveau vachement, en fait. Alors, ensuite. Résurrection permet de ressusciter en sacrifiant un adepte lorsque vous mourrez dans un donjon pour la première fois. Ça, c'est quand on a des gens qui sont sacrifiables. Concentrez-vous dans un donjon pour retourner instantanément à votre base. Octroie un cœur corrompu lorsque vous entrez dans un donjon. Ah, ça, c'est bien, ça. Vous allez débloquer un nouveau pouvoir de la couronne. Vous obtiendrez désormais un cœur corrompu au début de chaque nouveau donjon. Les cœurs corrompus infligent des dégâts à tous les ennemis de la zone lorsqu'ils vous attaquent. Ah oui, on peut récupérer une pelisse aussi. Tous les cœurs sont remplacés par 1/5 la quantité de cœurs bleus. Mais les cœurs bleus, je sais pas ce que c'est en fait.
Ça sert à quoi les cœurs bleus? Parce que les cœurs corrompus, j'ai compris. Mais les cœurs bleus, j'ai pas compris. Cœur bleu. Cult of the Lamb. Les cœurs bleus sont des cœurs qu'on pourrait considérer comme bonus. Ils se trouvent dans les cartes de tarot, mais ils ne peuvent pas être régénérés. Ah ! Ah oui, alors c'est de la merde, ça. C'est de la merde. On a plus de cœurs, mais ils peuvent pas. On peut pas se soigner. On a figé plus de dégâts pour chaque ennemi tué. Vous subissez deux fois plus de dégâts. Octroie un cœur corrompu à chaque carte de tarot diguée. À chaque carte de tarot tirée, mais vous empoisonne si vous subissez des dégâts. Bah, je vais en prendre une au pif, mais. Mais concrètement, je l'utiliserai pas, quoi. Je préfère ma petite pelisse blanche. Je tire 4 cartes de tarot au début, et puis... Bon, par contre, on peut pas les choisir. Bonsoir, Max, comment ça va? J'aurais une question, vas-y, dis-moi. Comment fait-on pour se connecter à Twitch sur le jeu? Je suis sur PS5. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. En même temps, c'est par rapport à quoi? C'est parce que tu voudrais rejoindre le culte du terrier ou c'est parce que tu streams sur le jeu? Celle-là, elle est trop belle, la pelisse des hérétiques. Je stream. Eh ben, je n'en ai aucune idée. Normalement, c'est dans le menu. Quand tu vas dans le menu, tu peux... Attends. Quand tu vas dans le menu, tu as un onglet Twitch, normalement. Hop, allez. Voici des sous, mes adeptes. Aimez-moi, regardez, je vous donne des sous que vous me rendrez plus tard. Alors, il m'a dit qu'il fallait faire le lavage de cerveau, mais j'ai pas besoin, en fait. Bon, après, j'ai suffisamment de champignons, mais fais chier un peu, quand même. Tenez, mangez ces champignons, ceci est mon corps. Que je t'épouse par contre. Hein. Parce que tu es mon disciple, donc faut que je t'épouse. Les bons champis, c'est ça. Les bons champis. Hop, comme ça, les adeptes peuvent cuisiner. Si vous avez faim, vous n'avez qu'à cuisiner vos repas tout seul. Bon, faut que je fasse une partie d'osselet, c'est ça? Ah oui, l'autre, il travaille la nuit, c'est vrai. Le pauvre.
Ratus travailleur de nom. Bon, il te faut des ingrédients, c'est clair. Il va falloir que j'aille pêcher, hein. Encore. Accepter le cadeau de Sabri. Ah oui. Bon, alors. Que vous mangez bien quand même, mine de rien, hein, les loups. Tiens, 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 regardez qui voilà. Ça te dit une partie? Je te préviens, je suis la meilleure. Ok. Je sais pas pourquoi je sens la douille quand même, hein. Tu m'emmerdes. Oh, trop bien. Quoi? Je suppose que tu mérites une récompense. Oui! Carte de tarot! Confère une immunité au poison. Oh, mais c'est trop bien. Avec l'eau de pelisse, ça serait trop bien. D'avoir plein de dégâts... De faire plus de dégâts, mais être empoisonné, mais être immunisé au poison. Bon alors. Et donc, arrêtez de vous engueuler. Ma chère et tendre confessionnale. Encore, bah oui, je sais. Mais bon, tu es niveau 9. Ça sera bientôt fini. Et après, je m'occuperai du cas de la dernière.
Elle est où, ça brille? Cette histoire d'ingrédients, hein. J'ai vraiment plus grand chose. Hein. Oh, c'est pas qui ça craint. Ça a pris dur ici, hein. Bonus de disciple, vous obtiendrez plus 5% de dégâts pour votre prochaine exploration. Tout le monde s'aime là-dedans.
Vous avez interrompu fusion. Ben ça va. Incroyable ça. Déposer des graines ici, vos adeptes les répartiront automatiquement dans les silos à graines. Ouais, ça m'intéresse pas des masses en fait, en vrai. Ok, bon, allez. Niveau 3. Déjà, boutique de graines. Ah. Ouverture de la porte. Ouverture de la porte. Lorsque vous subissez des dégâts, double les soins reçus, un tentacule apparaît. Oh bah yonk. Octroie un cœur supplémentaire. Bon, ok. Oh la vache, 10.4. Arme qui a séparé les terres de la vieille croyance du reste du monde. Inflige nettement plus de dégâts que les armes ordinaires. Bourrasque mortel. Attaque au corps à corps destructrice qui gèle les ennemis. Arrivé sur les terres du prélat Calamar, ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. Bah, je récupère des saumons carrément. Hein. Mais j'ai vu ça, qu'on avait besoin d'éclats de cristal. Pour des constructions. J'ai vu ça. Oh la vache, je l'ai pulvérise quoi. Oh, il y gossade sur la vieillesse. Oh non.
de sacrifice. Oh merde alors. Oh bah non. Eligos. Oh non. Eligos. Je sais pas lequel c'était. Oh, j'ai faim. On va me chercher à manger. Aïe. La bouffe, on va en trouver, vous inquiétez pas. Il suffit que j'aille pêcher. Comme tout, c'est incroyable. Bête, je vois que Kemak est toujours en vie, même si la création engendre la destruction comme l'exige la loi de la nature. Nous sommes nés du sein du dernier des premiers dieux destinés à transmettre les instruments divins sans jamais les manier nous-mêmes comme l'exige la loi de la nature. Je vois un lieu de ténèbres où une part de moi qui repose désormais dans le ventre d'une grande bête et dans les eaux, l'écho d'un rire. Cherche cette relique en ce lieu. Les tentacules... Non, ben je vais prendre les tentacules. Lorsque la raison n'est plus, il n'existe plus qu'un seul recours. Voilà pourquoi j'alimente chaque jour le feu de ma forge. Bon bah merci. Trouver la relique à l'aide de l'indice de Kudai. C'est quoi ton indice? Pas compris. Ah.
Oui, c'est à quel sujet? Il a envoyé plusieurs porte-couronnes, tout comme toi. Ils ont tous échoué. Il est vrai que tu as parcouru plus de chemin que tes prédécesseurs. Je vais prendre un malin plaisir à observer ton culte pourrir de l'intérieur, que la maladie s'en empare. Oh bah non. Je ne me sens pas bien. Oh, tu m'emmerdes. Il y en a un qui est gravement malade. Il a besoin de repos. Bah, va te reposer, machin. Ah oui, c'est vrai. Faire une offrande. Tiens. Oh, merci. La statue bestiale vous offre une abondance de nourriture. Merci. Allez, salut. Merde, quelle conne. J'ai voulu esquiver, mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton. En même temps, j'ai des armes cheatées. Mes armes, elles sont trop haut niveau. Alors, du bois. Une apparence d'adepte ou de la pierre. Oh, allez. Allez. D'accord. Je suis revenue. Bah oui, il y en a un qui est malade. Où est-il? Je vais essayer de le soigner plutôt. Tiens, viens, je vais te soigner. Voilà, petit père. Bah oui, évidemment. Les adeptes ont vomi. Ah bah bravo! Guide, nous aimerions nous réunir tous ensemble.
ensemble entre fidèles adeptes afin de partager un repas. Organisons un banquet. Oui, ça, si vous voulez. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade à cause de toutes ces saletés. Si vous ne m'accordez pas un peu de repos, je vais sûrement mourir. Tu ne mourras pas. Oh merde. Repos. Enfin, c'est Sandy qui mangeait de la merde lors de, du premier live, hein, qui dit que oh bah elle est malade à cause de toute cette saleté. Ah bah voilà, quelque chose de bien. Un adepte qui nettoie lui-même. De Sandy qui est malade actuellement. Envoyons tout notre courage. Ah mais il y en a plusieurs qui sont vieux là. C'est lequel l'autre? Sacrificiel. Mais oui, il y en a plusieurs qui sont vieux. Il y en a deux. Il y a deux vieux. Allez, on débloque tous les maléfices. Allez, on se débarrasse des vieux. Débarrassons-nous des vieux. Alors, nouvelle doctrine. Gardien de la sagesse ou le fardeau de la vieillesse? Tous les membres du culte gagnent la croyance respect des aînés. Ah bah non, mais je les tue, moi, les vieux.
10 de fois si un adepte est âgé est tué, sacrifié ou dévoré, mais moins 20 de fois s'il meurt de cause naturelle. Bon, allez. C'est une tribu maudite comme à Koh-Lanta, tout ça. Allez, on a un nouveau disciple. En la personne de Brittany, qui est mon épouse. Bon, je fais plein de trucs là, mais faudrait pas que je fasse autant de trucs d'un coup, parce que la foi, mine de rien, elle est déjà au max. Bon, j'ai 3 disciples en tout. Et du coup, je vais avoir 4 époux. Il faut me ressusciter. Oui, mais vous pompez trop aussi. Regardez-moi ça, vous avez tous le ventre vide, presque. Allez, petit rituel du buffet. Mangez, mes enfants, car ceci est ma chair. Votre mariage n'a pas ni à Grenade ni à Brittany, mais Sandy s'en fout. J'ai bien envie de les prendre un par un maintenant, niveau par niveau. De toute façon, concrètement, on va réussir à tous les faire, hein. faut pas se leurrer. Hein. Là, on est déjà à l'avant-dernier niveau. Donc, bon. Allez, mon épouse au confessionnal! Bon, elle est niveau 9. Ah non, niveau 8, pardon. Non, niveau 9. Oh, vous avez fait ça pour moi, vous êtes vraiment incroyable. Non, niveau 8. Viens là. Viens là. Il n'y a rien à cuisiner. Ok. On n'est pas trop mal. Un jour, je suis sûre, je reviendrai. Oh.
de niveau, ça monte de niveau. Mais ça, c'est bien, ça. C'est bien. Aimez-moi. Ça va, ils s'entendent bien. Ah oui, c'est vrai. Je t'avais oublié, toi. Je vous en prie, ayez pitié. Est-ce qu'il y a du monde sur Twitch? Est-ce qu'il y a du monde? Je pense que je vais aller me chercher un truc à manger après. Sorcière brûlée là, de qui tu parles? Et mets-la bien cuite. Tu vas pas ressusciter tout de suite, Jolafrite. Bon, je laisse encore une à deux minutes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Je vais en profiter pour m'hydrater, moi. J'ai envie de mettre un nouveau pote sur ma gourde, mais faut terminer celui-là d'abord. Ah, celui-là, il ressent. C'est trop bizarre. C'est un pote utilisé qui sent de nouveau, tout va bien. Je veux revenir. Bah, sois plus gentil. Pinou cynique. Ah, 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 ah. Un pinou cynique. Bon, toi, tu peux t'épouser direct. C'était notre premier pinou. Mais je suis gentille. Oui. Le troupeau s'agrandit. Un objet, je sais pas comment on l'a. Attendez que Sandy soit plus malade. J'attends, Bichette. Oh, ça va, elle est bientôt guérie. Je sais pas comment on fait pour avoir des.
font un collier en particulier, mais... Bon. On va aller continuer un petit peu de voir au niveau des... Au niveau du comment du... On va continuer les niveaux, monter les niveaux. Il en reste 5. Et après, il y aura tous ceux de... Bah, il y en aura... Il y en aura 5 aussi, a priori. 6. Va bientôt faire nuit. Donc vous allez tranquillement vous coucher. Lui il vend toujours des graines. Lui il vend toujours des disciples supplémentaires. Mais moi il me faut... J'aimerais bien avoir un marchand de colliers. Si à tout hasard ça existe. Attends, je mets mes doigts sur mes lunettes. C'est infernal. Alors, augmente les dégâts infligés de 30% durant la nuit, multiplie la vitesse de déplacement, tire un projectile lorsque vous utilisez votre arme. Oh, merde, j'ai... Permet de gagner 2 fois plus de ferveur en tuant un ennemi. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Marteau martial, briseur de crâne. Oh non, il y a des gens encore malades! J'ai pas lu. Quelle est lente cette arme! Ouais, ça risque d'être compliqué. J'aime pas cette arme. N'est plus malade. Ok. J'aime pas cette arme. Je fais ce que je peux. Pourquoi tu peux pas accepter le cadeau de 112, d'accord. J'aime pas cette arme. T'es qui toi? Bien le bonjour, que fais-tu dans un endroit aussi dangereux, jeune agneau? Je suis Clunko, voici Bob. Nous sommes en route vers notre bon ami Rato pour boire et jouer aux osselets. On va faire la fête toute la nuit. Rato et les autres disent que j'ai tendance à m'emballer quand il s'agit de parier. La dernière fois, j'ai perdu ma main. Oh.
On peut dire que je n'y suis pas allée de main morte. Ah, trop drôle. Mais ne t'inquiète pas, je compte bien la regagner. Tu devrais te joindre à nous. Tu as l'air tenace, riche et téméraire. Toutes les qualités que doit avoir un bon joueur de sleigh. Ok. J'aime pas cette arme. Sacrifier de la vie. Tu rigoles pas. Ça va pas la tête. À tout hasard. Portail de glaçant. Geler tous les ennemis présents. Des choux-fleurs, des choux-fleurs, des choux-fleurs, plein de choux-fleurs. Allez, on va faire de la soupe aux choux. Graines de chou-fleur, viande ou thon. J'ai pas vu ce que vous aviez fait. Mais merci, peut-être, j'en sais rien. Peut-être. Bon appétit. Merci. J'aimerais bien tomber sur le mec avec les armes là. Rato était le dernier porte-couronne envoyé pour nous détruire. Ce misérable rat lâche et pleurnichard, il y en a eu tant d'autres avant lui, tous aussi pitoyables. La maladie est une véritable leçon d'humilité, qu'elle s'immisce dans ton culte et le détruise. Putain, mais t'arrêtes de rendre mes fidèles malades, comme espèce de couillon, là. Sabri n'est plus malade.
Franchement, allez vous reposer, hein. Restez pas malade. L'arme. Donne-moi 5 de dégâts en moins, je m'en fous. Je t'ai envoyé une arme maléfique, mais il n'y a rien eu après. Ah, c'est parce que j'étais chez un marchand. Voir la foudre sur les hérétiques. Moi, je préfère ça. J'ai pas lu ce qu'il avait dit. Tant pis. Alors, algorithme. Et donc ça commence du... Allez, viens, petite créature. Graines de chou-fleur, pierre, pépite d'or. Allez, graines de chou-fleur. Et moi, c'est un collier que j'aimerais, là. Vraiment. Bon, allez, je vais aller soigner mes fidèles. Je vais aller soigner mes fidèles et après je vais aller me chercher à manger. Et je reviens. Bon, il y a 6 adeptes qui sont malades. 1, 2, 3, 4... C'est moi où il en manque. Je savais que vous arriveriez, vous êtes vraiment une créature divine. Non mais va te reposer.
temps. Nous avons discuté nous en avons assez de la nourriture servie ici. Nous avons besoin d'une alimentation plus variée. Accepteriez-vous de préparer des plats de poisson? Accepté. Va te reposer, putain. C'est incroyable, ça. Mais il est pas arrivé jusqu'à son lit, cet abruti. Pourquoi j'arrive pas à accéder à son corps? Ah, mais merde, j'arrive pas à y accéder. J'ai découpé un anneau. Putain, c'est pas ce que j'ai fait. Mais non. Je voulais pas faire ça. Quête d'adepte, effectuer le rituel de pêche. Putain. Voilà, vous êtes pas nombreux aujourd'hui, hein. Oh. Oh, putain, je suis deg. Il a pas réussi à atteindre son lit. Étant donné que nous avons perdu un de nos proches, retour à la terre, débloque la fosse naturelle, la dépouille des défunts pourra retourner à la terre et se transformer en fertilisant. Débloque les tombes, plus 2 de poids lorsque les adeptes se recueillent près d'une tombe. Ah, très bien ça. Étant donné que vous chiez partout, concrètement, j'ai pas besoin de fertilisant. Grand monde. Allez, un petit coup sous champi, là, ça va vous faire du bien. Alors, tombe.
Nécessite fosse commune. Comment ça? Ma chère et tendre, viens au confessionnal. Voilà. Un nouveau disciple. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, vous avez fait ça pour moi? Vous êtes vraiment incroyable. Bien. Ah, je vois pas ce que vous avez fait, mais c'est pas grave. Me dites pas que c'était une un hôpital. J'ai déjà un hôpital, mais j'ai pas de quoi vous soigner. Par contre, je piche pas fosse commune. J'espère que c'était pas une un truc précédent et que enfin et que j'ai pas pris en fait. Corps. Ah oui, on peut exhumer le corps. Oh putain. Bon bah autant dire que je vais détruire les trucs là, ça sert à rien quoi. Mais je sais pas si je peux. Bah non, je peux pas. Attendez, il y a un corps dedans. Oh putain, mais merde. Il va y avoir une tombe en... Je vais pas avoir assez de tombe. C'est un chier. Oh la vache. Oh la crise. Modifier les constructions. Ah, voilà. Supprimer. Voilà. Là, il n'y a plus de corps dedans. Supprimer. Oh, au secours. Oh merde, maintenant j'ai une tombe en trop. Non. Bon bah tant pis. Hein. L'autre, il est le gardien des morts, quoi. Crypte 2.
Bah non, je vais les détruire, les cryptes, en fait. Ça me sert à rien, les cryptes. Autant faire des tombes. Autant faire des tombes. On va faire un cimetière. Petit cimetière là. Tranquille. Et l'autre il dort près du cimetière. Voilà. Et donc je veux faire des tombes. Merde, j'ai pas assez de blocs de pierre. Bon, faut que j'aille pêcher. Faut que j'aille jouer aux osselets, je vais aller pêcher et ensuite je vais faire une pause, je vais manger. Voilà, comme ça vous allez pouvoir vous cueillir près des tombes. Oh, mais bonjour toi! S'évadera et libérera autrui de prison. Putain. Oh, oh il est trop beau. Ils ont planté que des champignons hallucinogènes. Ah ouais, mais l'autre mec qui était qui dormait pas là, il a laissé son collier. Comme quoi, et bah, il dormait pas. Merde. Donc du coup, pendant ce temps-là, bah, personne ne va récolter, quoi.
personne n'est malade. Trop bien. Guy, des créatures âgées ont été chassées de leur culte et se trouvaient rejoindre le nôtre pour finir leur vie parmi nous. Allez-vous les aider? Oh bah oui! On va les sacrifier surtout! Laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement vos enseignements. Polyamour, pas de jalousie. Quand il y a... Et il aime le caca apparemment. Mais de toute façon, on va le sacrifier, hein, n'est-ce pas? Allez, où Sandy? Vous avez reçu un cœur spirituel pour votre prochaine exploration. Waouh, vous avez fait ça pour moi, vous êtes vraiment incroyable. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Ah, bah vous êtes plus nombreux déjà. Je vais regarder vite fait sur internet parce que j'aimerais bien... Il y a un collier que j'aimerais bien avoir. Collier... Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Tête de mort lorsqu'il est donné. Oui, bah oui, mais du coup, on l'a comment? C'est du hasard, j'ai l'impression. Alors. Oh, œil du fanatique, œil qui gravite et reproduit vos maléfices. Empoisonne et gèle les ennemis. Trop bien. Bon. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, on avait décidé qu'on ne gardait pas les vieux. C'est donc avec un immense regret qu'à peine arrivé, notre nouvel adepte va nous quitter. Allez, salut. Tu cherches un truc, est-ce que je peux t'aider? Bah en fait, je viens de chercher. Je cherche les colliers tête de mort. Parce que tous mes époux et disciples, en fait, ont un collier tête de mort. Mais du coup, là, il y a le petit Pinou qui m'intéresse bien pour devenir mon futur époux. Donc voilà. Hop, c'est bon, je vous libère.
pas si je trouve quelque chose, ça marche, merci. Mais normalement, j'ai l'impression que c'est du pur hasard, en fait. Ok. Bon, maintenant on a un cimetière. Ah, vous avez faim. Vous avez faim, vous avez faim. Vous avez faim, vous avez faim, vous avez faim, vous avez faim. Allez. M'intéresse grandement quand même. Hein. C'est le premier pinou qu'on a. Le collier croissant de lune aussi à quelqu'un. À qui je vais le donner? Tiens, lui là. Tiens, cadeau. Tu travailleras dur, mon enfant. Oui, c'est un cadeau un peu pour Ava. Bon, une partie d'osselet et je fais une pause. Quel perso a ce collier? Bah, c'est tous mes époux, donc c'est-à-dire Sandy, les deux chats et le lama. Partie de dés. Jeune agneau, content de te voir. Une petite partie. Certains colliers de crâne peuvent rendre immortels, si j'ai bien compris. Bah, en attendant, les personnages qui l'ont, ils ont pas vieilli pour le moment. Ceux en or, bah ouais. Pour le moment, moi, ceux qui ont ces colliers-là, ils ont pas vieilli. Ah, c'est pas bon ça, hein.
Bah oui, mais en même temps, il a eu des tirages de ouf. C'est des objets rares. Bah pourtant, j'en ai eu 3 déjà. 4. J'ai 4... J'ai 4... 4 époux. En fait, il n'y a qu'une seule façon pour les joueurs d'obtenir des colliers crâne en or dans Cult of the Lamb. Les acheter avec une larme de dieu. Mais moi, j'ai pas encore eu des crânes en or. C'est juste des colliers crânes, quoi. Mais c'est tellement un jeu de hasard, ce truc-là. Soit disant que c'est stratégique. N'importe quoi, stratégique mon cul. C'est un perso? De quoi? Putain, salopard. Je t'emmerde! Je t'emmerde bien profond! Va te faire foutre. Mais va te faire foutre. L'arme divine est un cadeau de boss qui donne un cadeau divin au hasard. D'accord. Putain, mais c'est tellement de la chatte aussi, ce jeu. Putain. Il y a des tirages de ouf, quoi. Mais regardez-moi ça, putain. Une chance sur 4 d'avoir une larme. Oui, bah de toute façon, c'est les roguelikes. Hein. C'est que du pifomètre. Hein. Mais je t'emmerde, mon petit père.
normal, je prendrai bien ma revanche, mais je ne peux pas me permettre de perdre une autre main. Satané Shroomy. Octroie 5 de ferveur lorsque vous subissez des dégâts. Je suis bientôt à la moitié des cartes de tarot. Non, c'est pas là que je voulais aller. Mon premier après, je fais une pause parce que de toute façon, il faut que je mange. J'ai faim. Je pêche pour vous, afin que vous ne mouriez pas de faim. Salut Trito, comment ça va? Attends. Bah écoute, ça va, tranquille. Que j'étais dans le cul donc je suis encore vivant. Non, je crois que t'es mort. On va regarder, mais je crois que t'as une tombe. Il me semble que t'es parti en mission. Attends, je sais plus si c'est toi qui es parti en mission et qui est revenu mort. C'est quoi ça? Contribute to cult totem. C'est quoi? Trito a contribué au totem. Sparkle, ça atteint la vieillesse. Ah merde. Oh là. Encore un sacrifice à faire, putain. Déjà, bah ouais, je sais plus. On va regarder.
J'en ai marre de pêcher. De quoi t'es mort? Mais il me semble que oui. Il me semble que oui, il me semble que oui. La question est de quoi? La question est de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Il y a des créatures qui se marrent toutes seules, on se demande pourquoi. On peut pas ça voir. Quoi? Ah, mais pourquoi on peut pas savoir? Merde, j'ai tout. Oh merde! Bon bah on sait pas. Qu'est-ce que... Prendre butin, mais ça va pas. Bah je sais pas. Faudra que je revoie sur le replay. Contribute to cult totem, ça donne des points qu'on récupère au totem. Ah. À toi. Merveilleux guide, je ne sais pas si je le mérite, mais je souhaite devenir votre disciple. Ah oui, bah c'était prévu. Hein. Mais laisse mon cadavre en paix. Pardon, je voulais voir si on pouvait voir si comment t'étais mort. Tous mes excuses. Voir les adeptes. Non, bah ça va pas être ça. Petit sermon. Mais pourquoi ça a pas fait revivre quelqu'un de bien? Je sais pas moi. À la place on a cette coccinelle toute moche là. Encore, je suis désolée. Je suis désolée, pardon. Oh merde, j'ai pas de dos. Oh chiotte. Ah chiotte. J'aurais pu revivre, c'est clair. C'était du hasard, cette résurrection. Tout à fait. C'était du hasard. Oh, vous avez faim encore. Putain, vous faites que ça de bouffer. Oh oui, c'est vrai. Oh merde. Oh non, il y a le vieux. Fallait sacrifier le vieux, putain. Ah! Mais j'ai pas assez de d'os. Y a pas moyen de faire des rituels pour animer nos cadavres favoris? Bah si, mais ça coûte tellement cher. Ça coûte mais tellement cher de faire revivre les gens. On va perdre des gens.
Vous avez faim. Vous avez faim, vous avez faim, vous avez faim, vous avez faim, vous avez faim. Il faut envoyer des adeptes pour récupérer des os. Ça y est, c'est chose faite. Si jamais notre adepte est crevé, il y a possibilité de se donner une seconde vie avec un nouvel adepte ou c'est One Life ce culte. Bah apparemment... apparemment, Jolafri n'arrive pas à remettre un adepte à son nom, donc je ne sais pas. Putain, ça lag. Bon, il me faut de nouveaux adeptes de toute façon. Mais il est mort lui ou pas? Oui, il est mort. Oui, il y a tellement de morts. Tellement de morts. Bon, plus qu'un et on aura tout le niveau 3. Il restera tout le niveau 4. Bon, est-ce qu'on peut sacrifier l'autre, là? Est-ce que j'ai juste assez d'os pour... Oh, j'ai pas assez, hein. 29, putain. Et là, il faut 75. Ah! Oh, la vache. Sinon, si t'as de nouveaux adeptes, mais pas assez de viewers non inscrits, je crois que tu peux créer les adeptes à la main, même leur nom. Oui, 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 oui. Mais moi, je fais du aléatoire quand c'est comme ça. Bon. Ah, les champignons vont bientôt plus faire effet, par contre. Tant pis. Aïe. Ah, 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 ah. Mon genou. Avant de partir en balade là, parce que quand même, j'avais dit que je faisais une pause. Je fais une pause pour aller me chercher à manger. Enfin, j'en ai pas pour longtemps. Je vais aller chercher un porridge à l'étage. Hop. À tout de suite.